gone, but I'm out. RN21 aujourd'hui est une route qui n'est plus adaptée à la circulation. Elle n'est plus adaptée tout simplement pour une question de trafic. Il faut absolument envisager le doublement de cette voie pour des raisons et notamment de sécurité. Le souci des transporteurs aujourd'hui est, en ce qui concerne les marchandises, bien évidemment, c'est d'arriver à l'heure. Donc il faut arriver le plus vite possible en consommant le moins possible de carburant et en respectant également les temps de conduite. Les transporteurs favorisent de plus en plus, pour des raisons économiques et pour des raisons sociales, les axes à circulation fluide. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de la Nationale 21 aujourd'hui. En ce qui concerne notre métier de transporteur de voyageurs, pour aller par exemple à Tarbes, aujourd'hui de Limoges, je passe par Toulouse, pour des raisons de sécurité, mais aussi de confort des clients en autocar. La desserte de tous ces territoires et permettrait également de relier la 20 à la 89, à la 62 et bien sûr à la 64, et aussi également de déboucher sur l'Espagne qui ferait un accès supplémentaire entre la France et l'Espagne, Espagne qui, rappelons-le, est un des premiers clients en matière d'échanges commerciaux de la France. Il faut activer tous les feux, les associations, bien sûr, les politiques, tous les gens concernés sur cet axe, les socio-professionnels, afin que le plus rapidement possible, les décisions se prennent de construire cet axe à deux fois deux voies, je le rappelle et je le répète une fois de plus, indispensable au développement économique et touristique de toute cette partie du Sud-Ouest. Pour qu'un projet de ce type se développe, il faut absolument en prouver la rentabilité. Donc il faut estimer le coût et estimer l'apport de richesses supplémentaires qu'amènera cette autoroute au territoire concerné. C'est à la fois en termes économiques et puis on est quand même dans le sud-ouest, en termes touristiques. Et calculer le retour d'investissement donc de cette opération. Et je crois que c'est à partir de là que les collectivités ou les villes pourront prendre conscience qu'il y a un véritable intérêt, puisque le retour financier reviendra. Je crois qu'il ne faudrait rien attendre de l'État dans cette affaire et qu'il faudrait que les interlocuteurs locaux prennent ce projet en charge, qu'ils puissent assurer eux-mêmes le financement. Je porte un regard assez triste aujourd'hui sur la RN21. Depuis 30 ans, cette voie n'a pas évolué. Il y a bien eu quelques petits aménagements par-ci par-là, mais si on se reporte 30 ans en arrière, la RN21 est à peu près toujours dans le même état, c'est-à-dire assez déplorable. Ben, je crois qu'aujourd'hui, il faut parfaitement se mobiliser pour cette 21, parce qu'il y a un enjeu stratégique qui est un enjeu local entre les différentes villes et les différentes villes de chaque département traversé par cette 21, qui va permettre, comme je l'ai déjà dit, un meilleur maillage entre ces différentes villes, mais également, il faut absolument que nous ayons cette relation avec l'Espagne qui soit améliorée. Il faut qu'on en soit tous conscients. Il faut que chacun y mette sa volonté, son dynamisme, sinon les choses ne se feront pas. Donc mobilisons-nous pour la deux fois deux voies pour la RN21. Nord-Aquitaine a besoin d'avoir une visibilité plus grande à l'heure où se font les grands choix nationaux et à l'heure où s'élabore le futur contrat de projet État-région. Et donc, je pense que cette visibilité du Nord-Aquitaine, qui est un élément de fort, beaucoup plus fort qu'on ne le croit, quand on parle de l'Aquitaine, on pense d'abord à l'agglomération bordelaise, on pense à la côte atlantique, on pense au BAB, on pense à Pau, et c'est vrai que quelquefois, Dordogne-Lot-et-Garonne, on a un petit peu l'impression qu'on a aussi le droit d'exister. Donc je pense que dans cette perspective, la Nationale 21, c'est un enjeu fort. Pour nous, nous considérons aussi que l'aéroport, c'est un enjeu très fort. Et je pense que tout ce qui est réseau de villes,
et réseaux de villes du Nord-Aquitaine, ça peut nous permettre aussi de trouver plus de visibilité et plus de poids dans les débats sur l'aménagement du territoire en Aquitaine. Nous venons d'avoir une réunion très importante à la préfecture de région qui a permis de faire ressortir un certain nombre de scénarios. Ce qui ressort quand même de cette discussion, c'est qu'il faudra que toutes les collectivités concernées aient une volonté commune de s'impliquer. C'est sûr que pour nous, le scénario idéal, c'est la deux fois deux voies. À ça s'ajoute le problème de la relation avec l'Espagne. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on aura aussi besoin d'un franchissement routier supplémentaire dans les Pyrénées. Dans cette perspective aussi, cet axe nord-sud est extrêmement important. Si on veut que l'Aquitaine ne soit pas dépassée par d'autres régions Midi-Pyrénées ou Languedoc-Roussillon dans la possibilité de relation avec l'Espagne. Villeneuve-Ois, la Nationale 21, du nord au sud, est un axe vital pour le bassin de vie. Nous savons que le désenclavement nord-sud passe par la modernisation de cet axe routier essentiel. Ça n'est pas qu'un axe de désenclavement nord-sud pour le Villeneuve-Ois, c'est un axe de communication essentiel entre plusieurs régions et entre deux pays. C'est un axe de développement qui doit impérativement se moderniser, car il y va de la viabilité économique de nombreux territoires. Je constate que si dans les documents et les réflexions cet axe a sa juste importance, lorsqu'il s'agit d'investir, cette importance ne semble plus la même. Les entreprises n'attendent qu'une chose, c'est que le territoire se désenclave, non seulement le Villeneuve-Ois, mais de manière plus générale, toute cette partie du département qui a besoin d'un désenclavement en croix, un désenclavement nord-sud avec la N21 et un désenclavement est-ouest, avec des voies de communication, je dirais, normales, modernes, entre Aiguillon, Fumel et Cahors. Je crois que, en ce qui concerne la RN21, malheureusement, on peut regretter son non-aménagement. C'est un axe, à mon avis, structurant pour le sud-ouest et la moyenne Garonne, et particulièrement pour Agen. Et malheureusement, on a pris un retard considérable dans l'aménagement en deux fois deux voies, qui me paraît essentiel. L'intérêt, c'est d'avoir quand même une ouverture sur l'Espagne, sur l'Europe du Nord d'un côté et sur l'Espagne de l'autre. Et tout ce réseau de villes qui serait intéressé par le passage de la RN21 y trouverait son avantage économique. La Nationale 21, je ne porte pas beaucoup de regard, parce que c'est une petite route où tous les camions qui descendent du nord de la France passent. Et pour faire ce qui m'intéresse dans le Gers, mais pour faire la frontière du Gers jusqu'à Auch, il y a 50 km, on met une heure. On ne peut pas doubler, il n'y a rien à faire. En plus, c'est une route qui n'est pas facile, qui est très dangereuse. Il y a eu beaucoup de tués de chaque année. Donc on a hâte, si un jour on pouvait avoir une deux fois deux voies, pour pouvoir éviter tous ces embouteillages et tous ces retards et tous ces accidents. On s'aperçoit que la route Pau-Bordeaux, puisqu'elle a été faite par des privés, par Eiffage, a été faite ou va être faite très rapidement. Donc si on pouvait trouver quelqu'un qui puisse faire la même chose sur la 21 du nord au sud, ça serait une bonne chose. Aujourd'hui, je porte un regard attendri comme on regarde une grand-mère. C'est l'axe qui nous relie vers le Gers, c'est la direction vers la capitale. Donc c'est un regard intéressé, mais navré à la fois, parce qu'aujourd'hui, cet axe ne correspond plus aux besoins qui sont les nôtres. C'est une route qui est accidentogène, qui est extrêmement dangereuse, qui a un trafic trop important pour sa configuration. Donc je me dis que, même si je la regarde avec une attention bienveillante, il faut vite faire quelque chose pour elle. Mais à mon avis, elle a, cette voie, une place centrale au sens propre du terme,
mais aussi au sens figuré, dans la mesure où, quand on regarde l'axe nord-sud et les liaisons transeuropéennes, on voit bien qu'il y a là la place, en effet, pour un axe Paris-Madrid ou pour un axe nord-sud, y compris vers les débouchés sur les pays du Maghreb. Nous avons aujourd'hui, nous, ici, un problème, c'est les liaisons avec l'Espagne. Nous sommes département frontalier. Nous savons très bien que les axes est et ouest sont saturés et qu'il y aurait là une solution qui pourrait être rapidement mise en œuvre, une solution alternative qui permettrait de doter nos régions et nos départements de voies de communication modernes et donc de contribuer au développement touristique et économique. Mais je dirais que notre territoire rentrerait enfin dans la modernité. Je veux dire, c'est bien joli de parler de l'Union européenne, des relations avec nos pays voisins. Mais quand on n'a pas de voie de communication et qu'on n'est pas capable de se rendre à Huesca, par exemple, qui est notre ville jumelle, à moins de 3 heures de route, c'est une aberration, alors qu'à vol d'oiseau, il doit y avoir 140 kilomètres. Donc je veux dire que nous avons envie d'entrer réellement dans l'ère de la modernité et cette deux fois de voie est une nécessité absolue. Il me paraît nécessaire que se mobilise l'ensemble des énergies consulaires, des élus, de tous ces départements et de ces régions qui sont traversées par la RN21, y compris avec le soutien de nos amis espagnols qui n'attendent que cela. Lorsque je considère la carte de France et que je regarde notre grand sud-ouest, qu'il s'agisse de l'Aquitaine et puis de la bordure de Midi-Pyrénées, je me rends compte qu'il y a un grand vide et qu'en réalité nous sommes, en matière d'infrastructures de communication et particulièrement routières, nous sommes les parents pauvres de la France. Et comme je sais que toute voie de circulation est un moyen de développement économique, je regrette de beaucoup que nous en soyons là. Alors demain, nous aurons, paraît-il, l'autoroute entre Pau et Bordeaux, mais il me semble qu'il est tout à fait intéressant de pouvoir en même temps animer la partie est de l'Aquitaine et de renforcer cette liaison qu'est la RN21. Quand on veut, on peut. Aujourd'hui, on me dit l'État n'a plus d'argent, il est impécunieux. Je dis on a su trouver de l'argent quand il fallait. On a su faire des choses très rapidement quand il fallait. Je pense là à la voie à grand gabarit entre Langon et Toulouse. Donc ça, on a su le faire sans bruit, sans problème. On a trouvé les fonds rapidement. Bon, pourquoi n'en serait-il pas de même pour la RN21? But I'm out on the road again. I'm on the road again.